Voilà, donc salut à tous, on se fait une petite vidéo. Là, on est sur Valence. On va récupérer des collègues et puis on va aller à Montélégé. Et puis on va essayer de se faire un petit film. Un petit film pendant ses vacances. On va vous amener dans le jacuzzi. T'aurais dû préparer ce que t'allais dire. Si, c'était vachement bien, j'aime cette introduction. Alors là, ça y est, on vient de faire les courses. On a acheté de quoi manger et boire, surtout. Et là, on va aller découvrir le lieu de la maison de Montélégé. Voilà, il fait chaud, très chaud. Mais comme il y a le jacuzzi qui nous attend, je pense qu'on sera bien. Alors, topo, oui, bien sûr. Écoutez, il fait 32 degrés. C'est pour ça que je sue là. Je ne suis que sueur. On vient de faire les courses. On a géré, on a rentré, on a tout calé. Je sais pas si on peut montrer à la caméra. Le Perrier, le reste. Voilà, surtout le Perrier. Des courses, y a pas de problème. D'accord. Bon, là, on a fait une petite date. C'est grandiose, c'est grandiose. Ça, c'est le terrain de Maradona. Là. Tu vois, Maradona, là, Maradona. Stéphane Bern va nous présenter l'antre de ce château. Alors, bienvenue dans ce château. Alors, ici un portail ouvragé, fer forgé 19e siècle, famille des Castelot qui vivaient ici. C'est le père de Marie-Antoinette qui avait décidé de rénover ce portail. En effet, le père de Marie-Antoinette était ferrailleur, il était manouche. Et nous entrons dans le patio, des bégonias, du pin d'Autriche, des hortensias, grandiose, une vigne. Sachez que cette porte a été franchie en 1812 par le petit-fils par alliance du cousin du chat de Napoléon. Un petit salon. Oh, la chambre! Mais surtout dans cette maison, le petit bijou, la terrasse. La petite plancha de Séville. Mais surtout dans cette maison, le petit bijou, le jacuzzi. Mais surtout, dans cette maison, le petit bijou. Le terrain de foot. Mais surtout, dans cette maison, le petit bijou. Le tilleul. Je pense que si tu veux vraiment faire un bon acteur, oublie la caméra. Alors, là, elle fait moi, c'est fini. C'est fini? Ouais. Mais vous aviez si bien ensemble. Fallait arrêter. Je suis passé à la grime. Ça va. La lèvre, c'est une belle salope, mais la grime, elle au moins, c'est de la vraie. Et c'est une blonde. Belle blonde.
coupé, elle est bonne. Oh là. Elle est dans la boîte. Est-ce qu'on en est fiers? Palme d'or. Topo de la journée. Mon topo de la journée. Mon topo. On est au début. Ouais. On arrive, on s'installe, on est bien, on est posé. Je veux bien que tu fasses un panoramique pour montrer à quel point on est dans une villa, dans un riad à Marrakech, un peu avec ce palmier, avec cette air moite. Est-ce que là je te fais le désert? Là c'est dur. Voilà. Sinon voilà, tout va bien. Voilà quoi. Merci Colin. Là il y a du dialogue. Voilà, tout va bien. Voilà quoi. Okay. Ce que je tenais à dire, quand même avant le discours, c'est que on a chargé Colin comme étant salade officer. Tu serais d'officier. Voilà. Et j'aimerais que tout le monde puisse applaudir Colin. Bravo! Oh ouais, Colin, bien debout. Je suis très honoré d'être là, de recevoir cet accueil vis-à-vis de Salade quand même, qui sont d'une complexité effectivement assez folle. J'aimerais remercier mes assistantes sans qui ce travail n'aurait pas pu être accompli et mené à bien. Tout seul, je pense que vous auriez mangé de la merde. Et donc, au bravo aussi à ce public. La famille, faut remercier la famille aussi. Hein ? La famille aussi. Ouais, ma famille. Salut maman. Salut, t'es là. Je t'aime. Merci. C'est pour les guerriers. Je pourrais avoir un petit peu de vin, s'il vous plaît. Ça a commencé là. Rémi Waïda, qu'est-ce que tu as à dire à la France? Merci, au revoir.